Bonjour et bienvenue au service des archives, patrimoine et réserves précieuses. Les archives et les collections de la réserve précieuse se situent sur le campus du Solbosch, plus précisément dans le bâtiment AX. L'accès à la salle de lecture se fait via l'entrée principale de la bibliothèque des sciences humaines dans le bâtiment NB. La salle de lecture se situe désormais dans l'ancienne salle du conseil d'administration de l'ULB. Pour y accéder, vous devez d'abord rejoindre le bâtiment AX par le couloir souterrain. Lorsque vous atteignez la salle des marbres, l'entrée se trouve immédiatement à votre droite. Il vous suffit alors d'emprunter la double porte pour vous rendre en salle de lecture. La réserve précieuse conserve les livres et documents rares et précieux, propriété de l'Université libre de Bruxelles. Une autre partie de la réserve précieuse est constituée par un certain nombre de collections dévolues à la perpétuation du souvenir d'écrivains, de savants ou de personnalités proches de l'ULB. Grâce à notre politique d'acquisition, les collections sont régulièrement enrichies par de nouveaux ouvrages provenant principalement de maisons d'édition uniques et spécialisées. Si d'ailleurs vous désirez consulter notre catalogue en ligne, les collections éditées sont accessibles et peuvent être réservées directement via le moteur de recherche du catalogue Cible Plus du département des bibliothèques et de l'information scientifique. Les archives conservent les documents historiques et administratifs de l'Université libre de Bruxelles, les imprimés officiels de l'université, des collections émanant de la communauté universitaire, dont les journaux estudiantins, des collections iconographiques, mais aussi les papiers personnels de professeurs de l'université. Certains fonds en lien avec l'ULB ont été légués au service des archives. Il est également possible de les consulter. Parmi les plus connus figurent celui d'Henri Storck, d'Amnesty International de Belgique et groupe GIB. Il est possible de consulter notre catalogue en ligne. Toutefois, il reste primordial que les chercheurs se renseignent auprès des archivistes pour plus d'expertise. En ce qui concerne les modalités de fonctionnement, l'accès à la salle de lecture se fait sur présentation de la carte d'étudiant ou de lecteur des bibliothèques de l'ULB. La plupart des collections conservées aux archives et à la réserve précieuse sont uniquement consultables en salle de lecture. L'accès à celle-ci se fait actuellement sur rendez-vous via l'application Affluence. Elle est ouverte du lundi au mercredi de 9h à 16h30 et le jeudi de 9h à 18h. Les archives sont ouvertes à toute la communauté universitaire et au public extérieur. La commande de livres s'effectue à partir du catalogue des bibliothèques Cible Plus. Pour de plus amples informations ou toute autre question, contactez-nous par mail ou par téléphone. L'évolution des mesures et les nouvelles directives seront disponibles sur notre site internet. L'équipe des archives et réserves précieuses est à la disposition de tous les lecteurs pour les guider dans leurs recherches. Ils se feront un plaisir de vous accueillir dans leur service. Bienvenue à l'ULB et à très bientôt.